Maintenant, l'autre grande satisfaction, vous savez, c'est que le président Goïta aime toujours mettre les femmes à l'honneur. Pendant la semaine de la famille, vous savez que les célébrations ont commencé hier seulement, et les femmes, ce sont nos mères, nos sœurs, nos épouses. Quand vous faites quelque chose qui rend les femmes heureuses, c'est l'ensemble des Maliens qui sont heureux aujourd'hui. Et je voudrais dire bravo aux deux équipes. J'ai l'impression qu'elles ont fait exprès de faire 0-0. Pour qu'on dise effectivement que les équipes n'ont pas gagné, mais c'est le Mali qui a gagné. C'est la femme malienne qui a gagné. C'est la jeunesse malienne. C'est les hommes maliens. C'est tous les Maliens qui ont gagné. Et je crois que nous avons rendu très heureux le président de la transition. Parce que son grand souhait, c'est que les Maliennes se sentent plus heureuses sous cette transition-là. Et c'est une grande manifestation, c'est celle d'aujourd'hui. Voilà les grands sentiments de fierté qui m'animent. Et vous avez vu, le gouvernement est venu en très grand nombre pour assister à cette cérémonie. Je voudrais donc, à cette occasion, féliciter Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, féliciter toute son équipe et toute l'administration chargée de ce joyau-là. Vous savez aussi, il y a la famille de Salif. C'est une grande satisfaction que j'ai oublié de souligner. C'est que quand je les ai reçus au lendemain du décès de notre frère Salif, une grande promesse avait été prise au nom du gouvernement que nous allons baptiser un grand lieu du nom de Salif pour le rendre immortel et que toutes les jeunesses dans toutes les générations du Mali sachent qu'au Mali a existé un homme qui doit être une référence demain. Tous les peuples ont besoin de héros dans leur histoire. C'est ce qui anime la jeunesse. Et Salif, un héros du football malien, immortalisé à travers ce stade, je pense ça aussi, c'est un engagement que j'avais pris, validé par le président et le gouvernement, qui vient aujourd'hui de se réaliser. Donc, grande satisfaction de la famille de Salif, de ses amis, de tous les footballeurs et de tous les Maliens. Merci beaucoup.